FGS. OP. Yo mes humains, bienvenue sur la chaîne de OP. Et oui, c'est moi comme d'hab les gars. Je suis avec mes amis d'enfance, Gilbert, Tony. Yo. Ce soir, demi-finale, un grand bravo aux Marocains, le peuple marocain qui se sont qualifiés contre le Portugal. Franchement, royal les gars, vraiment royal. Bref, comme je viens de te le dire ce soir, Angleterre, France, ça tousse, ça vient de fumer sa clope, c'est en stress mon pote. Regarde-moi ça. Chichi, on compte sur toi ce soir. Hein, ils veulent faire un temps. Apparemment, il y a un plan anti-Mbappé, les gars, ce soir, hein, du côté de Walker. On verra bien. En tout cas, les amis, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. La petite clochette, on clique dessus pour les notifs. Et le référencement, on est carré. On va vivre ça, petite réaction, tous ensemble. Voilà, voilou, les amis. Tique, les amis. À la mi-temps. Ou le match complet. Ouais, la mi-temps. Tu vois quoi, toi? Moi, je dirais, allez, 1-0 pour la France. 1-0 pour la France, toi? Moi, je dirais 2-1 pour la France. 2-1? Ouais. À la mi-temps, 2-1? À la mi-temps, 2-1. Bah, il est gourmand, lui, frérot. Oui, hein. Moi, je dirais 1-0 pour la France, à la mi-temps. Ça va être un match fermé pour la mi-temps, tu vas voir. Et après, ça va mieux. Allez. Les Anglais, tu verras, sur la première mi-temps, ils sont en train de dormir. Ils font que dormir, les mecs. C'est pour ça que je dis 1-0 pour la France. Pas parce qu'ils vont défendre. Je tiens à préciser, hein. Madrilène, lyonnais. Hein. Ah ouais, fier de l'être. Donc, tous ceux qui n'aiment pas l'Olympique lyonnais, que des watts pour Tony. Dans les commentaires. Ouais. En passant, des dédicaces à John Textor. Hein. On attend le rachat, hein, poteau. John Textor. Voilà. Attends, après la saison, on va plus racheter, tu vas voir. À ce qui paraît, Deschamps, il va être là jusqu'en 2030, les gars. Ils veulent pas s'en débarrasser. Bah, il a des bons résultats. Oh la dinguerie, Tchouaméni, cousin. Osaka. Harry Kane. Ah ouais, ça commence les dingueries déjà. On commence pas ensuite. Ah, Tchouaméni, franchement, moi les gars, je vous dis la vérité, depuis ce début de Coupe du Monde, c'est fébrile, hein. Non, tu vois. Ah, pour moi, c'est Rabiot qui fait tout le travail au milieu. Rabiot, il est au top. Rabiot, il fait des. Ah, Rabiot, les gars, il est bon depuis ce début de saison. C'est lui, c'est lui. Tchouaméni, il est obligé de défendre plus que Rabiot. Hein. Rabiot, c'est vrai qu'il se projette plus vers Rabiot. Oui, c'est vrai. C'est bien ça. Tu sais, le rôle qu'a Griezmann dans cette Coupe du Monde, là, j'aime beaucoup. Parce que tantôt, il est vraiment numéro 10, où il fait le jeu, il crée un peu le métronome et tout. Et il est aussi dans la phase défensive aussi. Il est incroyable. Il revient en mode récupérateur, tu vois. Il a entraîné autour des défenses. C'est un moment qu'il fait ça. Bah, oui. En fait, il est un peu électron libre, je trouve, au milieu, tu vois. Oui, de toute façon, c'est un nouveau rôle. Ouais. Ça ferait... Après, je te cache pas que si on perd, c'est compliqué, là. Non, mais pour moi, je lui ai dit, direct, la France, c'est une moyenne. L'Angleterre, ils sont par à coup. Il y a des matchs, ils vont bien jouer, il y a des matchs... Oh, ils sont c'est pas constant, c'est sûr. Il y a un match, ils ont été dégueulasses. Oui, après, tu sais... D'ailleurs, vous en pensez quoi, Giroud, vous? Ah oui, le fighting spirit. Giroud, moi je vais pas te mentir, je préférerais Benzema. Ouais, mais parce que c'est madrilène, c'est le cœur qui passe. Ah oui. Mais après, il fait le travail. Après, il méritait d'être à la Coupe du Monde. Parce qu'il plante, il est là quand il faut, il est là. C'est pas le même rôle que Benzema. On y croit, Kichi. Mais tu dis, tu vois, ils vont s'observer. C'est pour ça que quand il lui dit 2-1. Première mi-temps, ça m'étonne. Non, mais lui, il est sur PES et FIFA, Tony. Il croit que c'est. Il croit qu'il y a un mec derrière, il est en train de wesh comme ça. Calmez-vous. Mais souvent, tu vois, les matchs comme ça. Tu vois ça, tu vois ça, Giroud, là. Ce qu'il fait, là, le travail défensif comme ça, récupérer les ballons et les redonner, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est exactement pour ça qu'il est bon. Il y avait la diarrhée, tu vois. Non, sérieux. Je te promets. Je te promets. Les gars, mon pote Joli, il a des histoires extraordinaires. Non, je te promets. Non, mais il croit tout ce qu'il a dit. Il avait dit quoi? Dans les Bouches du Rhône, il y avait le trou de la sécurité sociale. C'était à cause du salaire de Gourcuff à l'époque, quand il jouait à Lyon. Oh là là. Attention. Oh là là, contre-attaque. Ah, attention. Putain, mais laissez pas passer. C'est quel? Ouais, mais faut pas faire de faute, gros. Ils sont dans la surface, c'est là qu'il faut faire la faute, c'est pas. Justement, faut éviter les coups francs, ma gueule. Il y a des bons tireurs de coups francs là en Angleterre. Peut-être pas. Mon frère. Ben, soi-disant, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Oh, magnifique. C'est qui a critiqué Tchouaméni, là? Chut, ferme-la. Ferme-la physiquement, franchement. Mais non, mais les gars, moi, je trouve, dans cette Coupe du Monde, il était pas au niveau. Mais là, il a mis un but, c'est bien, cousin. Calme-toi. Pourquoi tu poussionnes comme ça? Fais un enculé, fouet.
Ah, Tchouaméni. Ah, il avait une sacrée paire de chaussures. Je te le dis, c'est un Madrilène qui allait marquer. Ah, mais, hey, calmez-vous. Hey, les Madrilènes, ils vivent que par procuration. Hey, c'est un Madrilène qui a marqué. Ce n'est pas encore fini. Je pense qu'il a été masqué. Il a vu partir le ballon au dernier moment. En tout cas, comment il a tempéré. Et t'as vu comment il a tempéré, ouais. Dembouz. Magnifique. Regardez. Hop, ouais. Ah, il le voit partir. Ah, ouais. Il le voit partir. Il est caché, il est caché. Ouais, mais même, elle est belle, la belle. Non, mais ouais, non, c'est pour toi, mon fils. Il a embrassé, C'est la tête comme... Eh, les gars, Tony, il a une photo chez lui. Quand on va chez Sadaren, il ressemble grave à Marcel Desailly. La même coupe. À l'ancienne. Marcel Desailly du FC Nantes. FC Nantes. Ah, purée. Ah, très bon coup franc, là. Non, ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il doit. Luc Chaud. Il doit lui dire quoi, Giroud, là, quand il s'avance comme ça devant le ballon? Il doit lui dire, tu vas rater. Facaf. Il doit lui dire que des facaf. Je sais pas. Attention, les gars. Un très bon coup franc. Hein. Ah, mais attends, Lloris, il les connaît aussi, hein, les tireurs. Oui, il les connaît après. Ah, il a affaire à eux, frère, tous les week-ends. 1-0 à la mi-temps. C'est moi. Moi aussi, j'ai dit non. Ouais, toi aussi, t'as dit 1-0. Tony, il a dit 2-1, frère. 2-1. Bah après, c'est du rugby. Non, on se dirige, hein, les gars. Calmez-vous. On se dirige de quoi? De quoi? Ah, par contre, il y a quelque chose là, reviens là. Il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Reviens là. Arrête de lever les bras, Kane, là. Reviens. Non, c'est, y a beaucoup d'intensité, hein, dans les duels. Au milieu de terrain, là, c'est une grosse bagarre. Ouais. Mais ils ont merdé. Neymar, il aurait dû prendre ses responsabilités et tirer. Mais ils ont merdé. Tirer en premier. Ils ont merdé. Il doit pas prendre ce but après, pauvre Marquis. Voilà. Non, la responsabilité, souvent, tu vois. Non, mais je suis désolé, mais hier, Tardino, s'il s'en est pris plein la tronche. Ouais, bon, mais genre, c'est de sa faute, c'est un assassin, nanana. Attends, faut arrêter de ça. Ça arrive de. Dommage, Kiki, dommage. Là, je pense que le retour de Henderson l'a gêné aussi. Il l'a senti dans son dos. A précipité son geste. Ouais, t'as, il a dit, il voulait casser le. Ouais, mais moi, ce que j'espère que ce qu'ils vont pas faire, c'est. C'est se reposer sur leur but, ouais. Et que l'Angleterre vont mettre la pression pendant la deuxième mi-temps. Ouais. Et là, on a le pied sur le ballon là depuis un moment, c'est pas mal. Hein. Lève-toi, y'a rien. Bah oui. Y'a rien, frérot. Non, y'a pas poussé. Kiki, je t'aime bien, mais y'a rien. Là, ils t'ont bien pris là. Bah oui. Des fois, ton coup de rein passe pas. Voilà. Sous la dent, j'ai envie de vous dire. Parce que des deux côtés. Hein. Il y a eu quand même des moments de frisson, les gars, on va pas se mentir. Oui, mais pas. Pas de quoi, hein. Pas de quoi lever un âne. Walker, il va vite sur les premiers mètres. Mais après, c'est mort, frérot. Non, Walker, il. Alors que Kylian, c'est ta-ta-ta-ta et boum, direct. Oui, c'est après. Moi, je vous dis, je demande à voir. Mais mec, le football, c'est pas qu'avec le ballon, c'est avec son ballon aussi. Mais il a fait quoi, son ballon? Il a fatigué les défenses, il a bougé, il a créé des brèches, il a proposé des choses. C'est la mi-temps, les gars, 1-0 pour l'équipe de France, but de Tchouaméni. Ouais, franchement, magnifique. Que demander de plus? Quand même une mi-temps plutôt équilibrée. On verra bien ce que ça va donner pour la seconde période. Bon, les gars, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Toujours 0 et 1 pour la France. ouais, première mi-temps assez équilibrée. En tout cas, on espère que la France va marquer un deuxième. Comme ça, on est tranquille, vraiment tranquille. Ça serait bien, ça serait bien. Bref, ouais. Les amis, ouais. C'est parti. Kiki, on compte sur toi, Kiki. Kiki, il faut nous le mettre, Kiki, il faut nous le mettre. Non, justement, j'ai pas envie de les déformer. Oulala. Ah, ça attaque fort, L'Angleterre. Fort. L'Angleterre commence dur, oula, les gars. Par contre, attention, là, Bellingham par terre. Et un carton? Non. Il a la biscotte facile, l'arbitre de. Ah ouais, ah ouh, quand même, hein. Ou Dembouz là, sa cheville, elle a tourné, hein, Bellingham, hein. Ouais, il a ça. Je crois qu'il y a corner. Tu vois, tu les vois pas pendant la première mi-temps, ouais, et la ouais. Deuxième, ils attaquent fort. Ah ouais, elle était. Bête claquette, ah, oui, hein. Bête claquette de. Yo, les anciens lyonnais, hein. Eh oui, Joël Bax, dédicace, hein. Ah, t'as fait du bon taf, hein. Ah oui, hein, franchement. Respect à toi. Lion de Kharakouz. Ferme-la, s'il te plaît. C'est terminé les années 2000. Hein. Non, on est en pleine reconstruction, c'est normal, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi.
Les gars, petit moment de flottement dans la défense française. Wesh, là, surtout pas Maguire, quand même, les gars. Il va y avoir une petite occasion de but, là, Harry. Hein. Que faut pas laisser les petites actions comme ça. Ah ouais, les gars. Oh. Parce que là, ça fait beaucoup, là. Ça fait deux occasions consécutives, là. Ouais, on va pas se faire sortir par les rose beef, quand même. Okay. Au niveau de... Non, c'est des cartons jaunes. Ah. Griezmann, carton jaune. Dembélé, carton jaune. Donc, on va pas prendre de risques. Après, tu me diras, ils sont pas non plus sous le coup d'une de suspension pour le prochain match, mais on sait jamais quand même. Il faut être très venant. Contre-favorable, là. Oh là là. Je me souviens, quand on faisait du deux fois à l'époque, les protèges tibia, t'avais des gros scratchs, cousin. Ouais, je me rappelle, moi aussi. Hein, moi, je supportais pas les scratchs. Oh là 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 là, attention, Bukayo. Oh là 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 là. Oh là là, les gars, on est en train de se manger la foudre anglaise là. Les gars, faut pas se faire surprendre, les gars. Hein. Attention à Saka. Ah, Saka, il est fulgurant là. Attention à Saka. Oh, les gars. Oh là là. Putain. Oh, le penalty. Putain, mais non, Tchouaméni. Putain, mais Saka, non. Saka, j'avais dit aussi, les gars. Attention dans la surface. Ils sont virevoltants. Sur la deuxième, regarde. Mais ouais, frérot, tu fais pas ça dans la surface, cousin. On t'apprend quoi au Real, mon gars? Après, Saka joue bien le coup aussi. Hein, parce putain que... S'il te plaît, yo, Lloris, arrête-le, sa mère. Mais l'Angleterre aussi, il est pas mal. Il va mettre une grosse frappe, ce bâtard. Ouais, peut-être qu'il va la mettre à droite de Lloris. Lloris le connaît aussi, donc... Bah ouais, je l'ai dit à droite de Lloris, je l'ai dit. Ça se voyait directement dans son intention. Mais c'est pas fini. Ils remobilisaient les troupes. Ah ouais. Par contre, là, ils ont l'Angleterre prend l'ascendant psychologique. L'ascenseur émotionnel. L'ascendant psychologique, il est pour l'Angleterre, là. C'est clair. Oui. Elle est sortie. Il est chaud à prendre, hein, Harry Kane, quand même. Hein. Ah, il est costaud. Ah, pour bouger. Ah, j'avoue, le placement. Ouais. Ah, ils ont merdé les défenseurs. Ouais, mais après ils sont bien revenus. Ils ont laissé grave de l'espace, ils sont bien revenus, surtout. Ah, mais par contre, ils tirent en rupture. Ouais, en rupture, c'est sûr. C'est compliqué. Il a eu du mal, hein. Oh non, bisous. Ça revient à ce que je viens de te dire. Il a eu du mal à le déposer. Il a pris quelques centimètres. Ah, il a niqué. Non, il a pris quelques centimètres. Quand même. Il a pris quelques centimètres. Ah, c'est chaud, hein. Ah oui, c'est chaud, hein. C'est très, très chaud. Hein. Excusez-nous, hein, c'est la daronne qui... Non, un peu qui... Ah, pardon. Ah ouais, non, mais j'en peux plus, là. Il faut que je descende me... Ah, me détends. Ah, c'est chaud. Eh ouais. Ils ont égalisé. Ouais. Bah voilà, penalty. Harry Kane. Tchouaméni, il a fauché Saka dans la surface. Enfin, ouais. Il a fauché, il a mis son pied. Saka, il a bien joué le coup vu qu'il était en avance. Voilà. Il tombe dans la surface, penalty, Harry Kane qui le transforme. Bah ouais. Il y a 1-1. Allez les gars, allez. Il n'y a pas trop de présence dans le milieu. Hein. Je trouve au milieu, ils ont gagné la bataille quand même là pour l'instant. Ouais, après. J'ai l'impression qu'ils sont. Qui est au milieu, ils n'arrivent pas à conserver de présence. T'as vu, c'est ça? Au niveau de l'Angleterre. Ah là, ils ont mis limite Lloris 0. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Tony, quand on en parlait tout à l'heure. C'est que la première mi-temps, ils proposent rien, ils sont un peu endormis et tout. Deuxième mi-temps, ils sont complètement. Ah, mais je parais qu'ils sont relâchés aussi. Regarde. Non, mais. Oh là là. Les gars. Non, Fofana, il est bon après. Il est contre la Tunisie, c'était pas pour ça. Non, mais c'est même pas pour ça. Putain, Kylian. Franchement, c'est un bon terrain, Fofana. Faut dire ce qu'il est. Non. Au vu de la prestation de Kylian, qui est quand même bien contenu et. Ah oui, ça je le savais. Qui n'arrive pas à s'exprimer pleinement. Je le savais. Il va se manger une sauce incroyable sur Twitter et sur les réseaux sociaux. C'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Bien sûr que c'est pas le seul, mais il va se manger une sauce, tu vas voir. Malheureusement, il va se manger une sauce. Vous allez voir. Les gens vont lui taper dessus. Il n'est pas le dépositaire de toute chose. Aujourd'hui, hein, c'est la star de l'équipe de France. Oui, mais est-ce que tu veux sur un match comme ça, c'est là qu'on l'attend, frérot. Tu l'attends pas sur la Pologne, oui, tu l'attends pas sûr, sur le Danemark. C'est sûr. Tu l'attends sur les gros matchs, c'est sûr. En Angleterre-France. Mais comme toute star, tu peux passer à travers tes matchs.
Parce qu'en face aussi, il y a du répondant. Une précision dans le jeu. Oh là là, Foden. Oh là là, un homme à la mer. Oh là là, ils étaient trois. Ah les gars, oh, il reste un canot de sauvetage. Ah non, 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 il n'y en a qu'un seul. Hein. Ah ben, je vous lance une bouée. Hein. C'est moi, file. Hein. Ah, faut arrêter. File-moi la bouée. Ah, file-moi la bouée, ouais. Attends, ah, franchement. Franchement, allez, salut. Moi, j'ai après, à la fin, Foden, franchement, Foden, c'est... De toute façon, Foden, on sait très bien qu'il est bon. C'est pour ça que j'ai pas compris quand il a pas joué dans les premiers matchs. Bah oui. Par contre, là, je suis pas d'accord. Dembélé. Ah, Dembouze. Oh, là, on les voit pas parce qu'ils sont éteints. Ils sont éteints. Non, c'est pas ça. Tiens, Giovanni Van Bronckhorst derrière. Avec le maillot des Oranges. C'est ça. Comment vous allez en connard? C'est pas comme De Saïe, cousin. De Saïe, il est consultant, frère. Consultant, ouais, ça. Tu rigoles, mais Van Bronckhorst au Barça, c'était quelque chose. Hein. Mon collègue, il connaît son père, Abukayo. Oh, c'est bon, en plus. Je rigole pas, ça. Bah, c'est, si tu veux. C'est comme Soleiman qui se disait que son cousin, c'était connu, là. Non, sérieusement. Non, il a dit non, c'était Keita. C'était Keita de Barcelone. Keita de Barcelone, non, mais moi je non, Yaya Touré ou Keita, il avait dit Non, il a dit que c'était Alou Diarra, son cousin. Bah, le pire, c'est Jamel, il a quand même dit que son oncle, c'était Zidane. Il a dit, mon clon, c'est Zidane. On l'a jamais vu, mais c'est pas ça. Il va déposer en cabriolet devant Descartes. Oh là là, elle passe à côté. Oh, Maguire, on sautait de sa gueule. Non, bah non, avec alors je disais que... Non, non, lui, il s'est pas foutu de sa gueule. Non, mais il se foutait de sa gueule, mais en attendant... Je t'ai dit, il est bon de la tête. Ouais, je sais qu'il est bon. Il est hors jeu. Ouais, parce qu'il est hors jeu. Ils sont partout. Ils sont partout, ils récupèrent tous les ballons. Ah, la France en train de subir. Ah, la France, c'est... Ah ouais, les gars. L'équipe de France subit les assauts. Mais là, mais les gars, je vous le dis. Hein. Tel un fort assiégé. Non, attends, j'ai pas peur de le dire. Hein. Là, le visage qu'on affiche là, si on passe et qu'on joue contre le Maroc, ça va être compliqué. Hein. Bah, Luc, on le laisse trop de largesse. Il faut mettre un joueur qui prenne l'espace. France. Ouais, il faut Marcus Thuram. Marcus, quelqu'un qui va te faire des espaces. Parce que lui, c'est plus un point de fixation quand il y a 0-0. C'est ça. Là, les défenses, elles sont fatiguées. Là, il faut quelqu'un qui va justement. Ouais, qui percute, qui va prendre les espaces. Oh là là. Ah, là, ils sont deux. But. Oh, la parade de Jeanne d'Arc. Oh là là, le bâtard. Oh, le bâtard, Pickford. Ah, c'est bien pour ça qu'ils l'ont sélectionné. Hein. Donc, dommage. Il était un peu en rupture aussi, Giroud. Il a pas eu le temps de bien. Ouais, il était un peu en rupture. Il a pas bien pris. Ah, ouais, putain. Gigi. Ouais, mais c'est dur, okay, hein, il était, c'est chaud, il était presque en déséquilibre. Qu'on reprenne le jeu en main, les gars. Hein. Oui, Gigi. Gigi. C'est ça, mon Gigi. C'est ça. Oui, Gigi. Quel but, franchement. Gigi. C'est pas Mbappé. C'est pas grave, c'est Gigi. Ah, il est où? Là, les gars, vous avez été bouche bée. On s'entendait pas. Bah non, franchement. Pouf. Et il est trop fort de la tête, Giroud. Ah, il est fort. T'es mal placement. Une erreur de marquage de Stones, je crois. Paf. Oh là là. C'est Stones qui revient sur lui. Ouais. Oh là là, meilleur buteur d'équipe de France, les gars. Non, mais par contre, je suis pas content. Oh. Il y a pénalty là! Mais non, il y a un coup d'épaule, frérot! Non, il n'y a pas de coup d'épaule, coup d'épaule dans pénalty. La nuque! Ah, c'est, en UFC, c'est interdit! Mais non, les gars, ça, arrêtez, il n'y a rien du tout, il n'y a pas péno! Il regarde le ballon! Les gars! Ah non! Pénalty! Bah oui! Bah oui, c'est ça! Putain, mais Hernandez, pourquoi? Ah, vas-y, ça me casse les couilles! Il n'est pas encore marqué, déjà. Mais non, mais c'est relou, frérot. Pour moi, il n'y a pas péno, personnellement. Maintenant, s'il y a pénalty, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ce genre de faute? J'entends ce que vous dites. Les gars, on fait de la danse ou du foot, les gars? Mais il y a des règles à respecter, frérot. Allez, Hugo. Oui! Oui! Tiens, Taras, tiens, bâtard. Ah, ça, par contre, cher. Il va prendre cher. Cher!
Encore une fois, hein, gros big up à nos Marocains. Vraiment, vraiment. Il y a tous les frérots de la cité, là. On voit ça sur Snap. Hein. Les Sef, Sef. Les Savio, les Savio. Tous les frérots marocains, là. Hein. Grosse dédicace à vous, les gars. Mérité 100 fois. Ah oui. Ça va être beau, ça va être un... En tout cas, ça va être bien, France-Maroc. Ça va être joli, ça va être... Pour l'instant, on se dirige, mais on sait jamais. C'est pas encore fait. Le match n'est pas... Jusqu'au sifflet final, le match n'est pas encore terminé. Si. Calmez-vous, messieurs. Allez, siffle. Là, on va partir en besogne. Siffle, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Peut-être Mason Mount à la manœuvre ou Luke Shaw encore. Eh putain, peut-être. Là, par contre, là, pour le but là, là. S'il nous fait un coup à la Vergost, je suis désolé, mais. Hein. Ou Rashford aussi. Hein. Attention, il a une bonne patte droite, Rashford. Hein. Donc. Luke Shaw aussi, ouais, bah ouais. Bon, mais David, bah, je crois que tu vas rentrer chez toi, David. Il y a Solskjaer à côté. Ah, Solskjaer, il y a Ole Gunnar. Ouais. Dégagez les gars. Super sub lui hein. Ouais, à l'époque il est rentré, mais t'as un but direct. Ouais, non, regarde, c'est de Beckham qui descend des tribunes. Ouais, bah tiens les gars, c'est bon, ouais, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi les gars. Ah, les gars, on regarde pas. On regarde pas, je vois rien. Inch'Allah il le met pas. Inch'Allah il le met pas. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Fuck off, j'irai. Elle s'est terminée. Après. Qualifié, oh là là, qualifié, là, c'était... nous sommes qualifiés. Pas loin. Oh là là. Les amis, j'espère que ce format vous a fait plaisir. J'étais avec mon JB, j'étais avec mon Tony. Qualification des bleus, les gars. Qualification des bleus. Allez les Maroc, on arrive. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé justement de ce match. Si vous avez ressenti les mêmes choses que nous par rapport au match, etc. Les petits points négatifs, les petits points positifs aussi. Et on va rencontrer effectivement, comme vient de le dire mes gars, on va rencontrer le Maroc là en demi-finale. Ouais, ouais. Ça va être très compliqué parce que c'est une belle équipe marocaine qu'on va affronter. Voilà, c'est ça. Ah là là. En tout cas, j'ai hâte, les gars. On se fait la guerre comme il se le. Je vous embrasse les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, prenez soin de vous. On s'attrape aussi sur Instagram. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ciao ciao. Et allez les bleus. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foodics, c'est du test que j'incarne. Paris capitale et la...